d'une technique de construction en paille qui s'appelle la technique CST ou la technique de cellules sous tension. Et vous avez derrière moi l'exemple d'une construction en cours qui est sous forme hexagonale. En fait, c'est un triple hexagone qui recourt à cette technique de CST. Et donc ce type de construction est appelé flexagone. Et donc vous pouvez trouver plus d'informations sur ce type de construction sur le site de habitatvégétal.fr. Alors mon but dans cette vidéo, c'est de partager ma compréhension des techniques mises en œuvre dans la construction, afin que ça puisse, je l'espère, aider des personnes à s'engager dans leur propre construction de maison ou d'habitat ou de chambre d'hôte avec cette technique. Avec la technique CST, on va compresser la paille de manière horizontale dans les montants d'ossature, parce qu'on va mettre un ballot de paille qui est plus large que la distance entre les montants, et on va compresser une deuxième fois la paille verticalement en venant compresser des tasseaux ou des bouts de bois des deux côtés des montants et en fixant ces tasseaux donc vraiment à l'intérieur ou sur le haut des bottes de paille à chaque rangée et en les vissant au montant. Donc par cette technique, l'avantage c'est que le mur il devient vraiment contreventant et porteur. Et un autre avantage c'est que on peut réduire fortement les sections de bois, et le bois étant un souci écologique, évidemment, donc on essaye de limiter les sections de bois pour utiliser le moins de bois possible, et donc on arrive à faire des murs avec des sections de bois des montants de 3 cm par 7,5 cm. Cependant, dans cette structure hexagonale, nous avons donc une forme, l'hexagone, qui se retrouve dans la nature, notamment dans les ruches d'abeilles, qui est extrêmement solide. La forme la plus contreventante et la plus solide étant le cercle, mais assez difficile à habiter. L'avantage de l'hexagone, c'est qu'on a 6 murs identiques et on a 120 degrés entre chaque mur, c'est-à-dire qu'on a un angle qui est composé d'un triangle isocèle, donc à 3 faces de même longueur, qui est extrêmement costaud et qui va permettre d'avoir un bâtiment très costaud qui va être rendu encore plus résistant grâce aux enduits en terre qu'on va venir enduire dessus, à l'intérieur et à l'extérieur. Autre spécificité de cette construction en flexagone, c'est qu'il n'y a pas de fondation sous terre. Le terrain est juste décaissé et nous utilisons des carcasses de pneus usagés que nous recyclons et que nous remplissons de gravier de telle manière pour éviter les remontées d'eau, les remontées capillaires. Et de cette manière-là, nous avons il y a une structure porteuse. Un seul pneu peut porter bien plus que le poids de l'entièreté de la construction. Donc c'est résistant à ce point-là. En plus, les pneus ont une très haute, très grande durée de vie à partir du moment où ils sont bien protégés du soleil. Donc nous utiliserons des moyens pour les protéger du soleil. Et de cette manière-là, ben la construction peut se faire beaucoup plus rapidement. Et en gros, une construction hexagonale de 25 mètres carrés, c'est-à-dire qu'on a 6 murs de 3 mètres de large, en gros par 2,50 mètres de haut, c'est la construction standard. L'unité standard d'hexagone peut se faire à partir des fondations jusqu'à l'ossature de la toiture et du plancher en 3 semaines avec un artisan
qui encadre un chantier participatif. Donc en 3 semaines, on a vraiment un bâtiment qui est... Il n'y a plus que la finition de la toiture et les finitions. Donc un bâtiment avec les vitrages, l'ossature, la toiture, et qui est sur pied. Il n'y a plus que les finitions à faire. Enfin, encore un autre avantage, c'est que la structure de l'hexagone est flexible. Donc c'est pour ça que le nom de cette construction, c'est un flexagone, c'est un hexagone flexible, dans le sens qu'il peut se multiplier. Donc on peut en ajouter un à côté de l'autre, voire 3 ou 4 en une fois ou en plusieurs fois. Et donc on peut ajuster la surface habitable en fonction des besoins et en fonction des moyens. Donc par exemple, il est possible de construire un flexagone et plus tard, quand la famille s'agrandit ou quand on a plus de budget, eh bien d'en construire un deuxième, voire un troisième. Quand les enfants deviennent plus grands, d'en faire un séparé de la maison et ils ont leur petite habitation à eux, que vous pouvez construire ensemble. Donc, je dirais encore qu'il y a un autre avantage important, c'est que vu que vous pouvez arriver à une construction en dessous de 1000 euros par mètre carré, même avec un chantier participatif et un formateur, et donc vous pouvez même pré-construire vos murs petit à petit en fonction de votre budget, ce qui vous évite de recourir à l'emprunt bancaire et d'entrer dans une spirale de devoir rembourser, travailler, rembourser et d'être sous la pression tout le temps du remboursement bancaire. Et donc voilà, d'organiser votre vie d'une manière plus flexible et plus agréable pour vous-même et pour votre famille. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera et vous donnera des idées pour votre propre projet constructif, pour votre propre famille. Et voilà, je vous dis merci pour d'être là pour la regarder. Thank you.
Alors une chose très importante, les bottes de paille, lorsqu'elles sont livrées, elles doivent tester au niveau d'humidité, d'avoir moins de 20% d'humidité. Et donc également au niveau de leur densité, leur minimum 80 kg par centimètre cube. 80 kg par mètre cube. Par mètre cube. Et donc, elles doivent ensuite être parfaitement bien protégées. Et ici, vous pouvez voir toute une petite montagne de bottes protégées par des bâches en plastique. Et ces bâches ont tendance à s'envoler très facilement. Donc ici, on a mis une série de ballots de paille qui sont de moins bonne qualité, qui vont être utilisés plus en isolation ou en enduit. Au-dessus, des pneus et des palettes autour pour éviter que les bâches s'envolent. Alors ce qu'il faut aussi vérifier, ici on a eu avec des vieilles palettes, certains clous qui ont fait des trous dans la bâche. Et de ce fait-là, eh bien, il y a eu des infiltrations d'eau. Et toute une série de bottes se sont retrouvées mouillées et pourries et ne peuvent pas être utilisées dans l'ossature des murs. Heureusement, il y en avait en suffisance. Mais donc c'est une chose très importante, la manière de stocker les bottes, de faire des tas et idéalement d'avoir une lame d'air entre les bottes et le plastique avec des palettes qui n'ont pas des clous qui sortent pour ne pas abîmer la bâche et de venir assurer par un lest, un poids important, que la bâche ne s'envole pas, surtout dans les lieux qui sont très exposés au vent. Et donc ça, vous voyez, c'est toute une série de bottes qui ont été littéralement pourries du fait des infiltrations d'eau. Alors le bâtiment, le terrain, il est d'abord décaissé et il est mis à niveau, comme ici. Et ici, nous avions une assez grande différence entre un bout de la zone et l'autre bout. Donc on a, pour avoir le niveau, on a dû décaisser jusqu'à presque 1,50 m ici. Et un grand géotextile a été posé sur toute la surface, de telle manière que d'abord sous les fondations de pneus dans lesquelles il y a des cailloux, les cailloux ne s'enfoncent pas dans la terre, et aussi en cas de pluie, etc., le chantier ne devient pas un grand bourbier de gadoue et reste propre. Alors, le point zéro du bâtiment qui a été défini arbitrairement, en fait comme 50 cm au-dessus de la galette qui se trouve au-dessus des pneus des fondations, qui sont posés sur le sol. Donc c'est le point zéro de référence du bâtiment. Et ici, vous avez un niveau à eau qui va permettre d'asseoir le bâtiment au niveau du point zéro, horizontal. Voilà, avec un tuyau d'arrosage. Ensuite, à partir du centre de chaque hexagone, nous avons déterminé les zones des six angles de l'hexagone, les points des six angles, en implantant des fers à béton. Et pour déterminer ces zones, c'est simplement, nous avons pris quatre bouts de bois de la longueur du centre jusqu'à l'angle. Donc c'est un triangle équilatéral qui fait la longueur du mur. Donc ici 3,81 m. Et donc à partir du centre, en imposant un triangle centre, eh bien, on retrouve les deux angles de l'hexagone et on fait tourner le triangle. Et on a alors sur chaque angle, on va venir donc poser, enfoncer un fer à béton d'environ 1 m et on va le laisser bien dépasser
ou de plus d'un mètre même. On va le laisser dépasser. Ici, on va venir. Ici, dans ce cas-ci, on a posé deux hauteurs de pneus, mais une hauteur de pneus peut suffire. C'est parce qu'on est très décaissé. Et dans ces pneus, on va venir tasser des graviers. Et on va venir les tasser plus ou moins fort pour ajuster la hauteur. Sur ces deux pneus, ils ont posé une galette. Une galette, c'est simplement, donc qui fait 60 cm par 60 cm. C'est simplement trois planches de 60 cm de long par 20 cm de large qui sont croisées au-dessus de trois autres planches de même dimension. Donc c'est deux fois trois planches croisées en bois massif. Et donc ce niveau-là est situé 50 cm en dessous du point zéro que nous venons de voir. Il est ajusté, donc c'est-à-dire en compressant le gravier sous le pneu, en compressant plus ou moins le gravier, ben le pneu va monter ou va descendre. Donc si jamais il est juste rempli de gravier, il va être à la hauteur du pneu normal. Si on bourre de gravier et qu'on compresse à la massette, eh bien, par exemple, eh bien, le niveau peut monter. S'il met un peu moins de gravier, ou s'il met un pneu d'une largeur plus petite, on peut faire descendre le niveau. Donc on choisit un grand stock de pneus de telle manière qu'on a des largeurs différentes de pneus pour ajuster les niveaux. Ceci est ce qu'on met dans les angles du flexagone. Au milieu du mur, on fait un peu la même construction. On vient mettre au centre du mur donc deux pneus et une galette un peu plus petite ici. On pourrait mettre la même galette si c'est une galette avec des planches de 40 croisées avec des planches de 30 et il n'y a que deux planches. On pourrait mettre des planches un peu plus larges aussi, mais bon, c'est ce qu'on a mis. Et dedans, bien, on a ajusté le niveau ici par rapport au point zéro. Et ici, on a mis une petite cale. Là, on était un petit peu légèrement plus bas. Alors, une fois que les fondations, les pneus et les galettes sont mises en place et à niveau, sur les angles et au centre, à ce moment-là, on vient déposer les U. Et on vient poser l'angle, le triangle d'angle dessus. Et au départ, évidemment, il ne repose sur rien d'autre que la galette, donc il faut consolider. Et donc on va simplement mettre le consolider avec deux renforts, deux bois dans les deux directions, à chaque angle, pour le faire tenir. Alors au-dessus des fondations, ben, il y a le soubassement où ici dans ce cas-là c'est en même temps la lisse basse. Et donc c'est un U qui est composé simplement de trois planches, donc de 20 cm. Alors il y a deux planches verticales qui sont vissées sur toute leur longueur, collées et vissées ici avec de la colle polyuréthane sur une planche horizontale. Et donc ça forme un U, et ensuite il y a du goudron qui est posé au pinceau, du goudron de pin en dessous pour éviter les remontées d'insectes. Il y a des trous, deux trous de 10 mm qui sont également percés au fond du U et bouchés par du géotextile pour qu'en cas d'inondation, s'il y a de l'eau dans le U, que l'eau puisse s'évacuer. Alors avant de... Donc ici le U a été surélevé d'une épaisseur de 10 cm. Voilà, donc il y a... parce qu'il y a un plancher qui a plus d'isolant, donc qui a 35 cm d'isolant. Donc on peut rehausser. Ici on a rehaussé et collé et vissé verticalement. Donc, ici vous avez... le U avec la réhausse, et donc sur ce U
voyez ici les deux vis. Il y a une entretoise, donc une planche de la largeur du U, donc de 20 cm de large, qui a été fixée à 1 cm du bas du U. Donc elle a environ 18 cm ou 20 cm de un petit peu en retrait aussi, en contrebas du haut du U. Elle a pour but de pouvoir assurer la fixation des montants. Les montants qui sont vissés dessus. Tout ça est fait avec des vis de 5 par 60. Tous les montants, les grands montants des murs, ces montants également sont fixés donc à ces entretoises en bas du mur et ne touchent pas non plus le fond. On ne veut pas que le poids du mur repose sur le fond du U, qui est une planche horizontale qui est plus fragile, une des parties les plus fragiles du bâtiment. Donc on veut qu'il n'y ait rien qui repose sur cette planche horizontale. Voilà. Tout est décalé d'un centimètre. On vient fixer des petits tasseaux. Petits tasseaux qui font environ 15 cm, qui dépassent de 5 cm du haut du U. Donc ils sont fixés avec des vis de 60, comme ça. Et dessus, on vient fixer un tasseau horizontal, donc qui a la longueur du mur. Et ce tasseau va servir à plusieurs choses. Il va servir de référence. Donc les bottes de paille vont être fixées ici à l'intérieur du tasseau. Et l'extérieur du tasseau sera la référence donc de la couche d'enduit. Donc on va venir utiliser ça pour l'aplomb de l'enduit, pour voir la limite de l'enduit. Ensuite, les plinthes seront aussi attachées à cet tasseau, les plinthes à l'intérieur de la maison. Alors en bout de U, on vient fixer aussi une planche. On vient fixer également une planche en bout de U. Et cette planche va permettre de fixer le U au triangle qu'il y a au coin de chaque mur. Alors les triangles, vous voyez ici, donc les angles de chaque mur, donc ce sont deux planches de 25. Planches de 25. À ce côté-ci ont été découpés avec un angle de 60. Et ici pareil, elles ont été découpées avec un angle de 60, mis en triangle. Elles sont renforcées tous les 50 cm. Elles sont renforcées par des planches de 10. Et elles sont renforcées également par trois triangles qui sont censés être plus petits en fait. Ici, de telle manière à laisser passer l'isolant. Il y a trois triangles comme ça sur la hauteur. Et il y en a un plus gros à la base qu'on ne voit pas qui permet de fixer le triangle à la galette. Et le triangle est fixé donc latéralement au 2U de chaque côté. Et donc va être rempli d'isolant. Quand il va être fermé, il va être rempli d'isolant de balles de riz à partir d'en haut. Alors sur les triangles qui sont au niveau de la panne faîtière, donc la poutre principale qui soutient le toit qui est là-haut, eh bien on ferme les triangles par une longue pièce de bois, une troisième pièce de bois de 25 de large, qu'on vient visser coller aux deux autres pièces. Et après, à partir d'en haut, on va faire la découpe pour poser la panne
Et avant de poser la panne, on va remplir d'isolant en vrac. Ça peut être du liège, ça peut être de la paille, ça peut être de la balle de riz. Ici, on met de la balle de riz. Et ensuite, on va venir poser la panne. Alors en bas du triangle, il y a un feuillard métallique de 4 cm de largeur qui est cloué et qui est cloué pour solidariser et renforcer donc l'angle entre les U des deux murs qui se rencontrent sur le triangle, au niveau du triangle. Donc voici les plans de différents murs. Alors la première chose qu'on va faire une fois que les U et les triangles sont en place, on va monter l'ossature. Donc vous voyez ici par exemple le mur 11, eh ben, il va avoir 6 bottes en largeur. Et il va y avoir 2 bottes de haut et puis il va y avoir une ouverture. Il va y avoir 2 ouvertures en fait, une ouverture de 2 bottes de large et une ouverture d'une botte de large. Et donc on va venir mettre en place, et ici on voit des montants à 50 cm, à 70 cm, à 75 cm. Donc ça c'est les largeurs des bottes de paille. Et donc on va donc construire d'abord l'ossature, et on va construire les pré-cadres aussi et les appuis. On va les préparer avant de mettre en place les bottes. Donc on va venir mettre les entretoises dans le U, les montants verticaux, et on va placer une partie de la lisse haute pour tenir les montants verticaux qu'on fixe de part et autre. Donc le premier montant, il est fixé au U, au bout du mur, de part et d'autre. Il y a là, le premier montant, et on vient fixer donc la lisse haute arbitrairement, le plus haut qu'on peut au départ. Tenir les montants, on vient visser chaque montant pendant qu'on monte le mur, et donc on commence à poser les bottes de paille qui ont été enduites de barbotine. Donc ici on a posé 2 rangées, puis on est venu poser l'encadrement, le précadre et les appuis, et comme ça on continue à monter le mur. Voici un pré-cadre d'une porte. Alors voici donc un appui de fenêtre pour venir poser une fenêtre fixe. Alors il est fait de 2 pièces. Donc il y a une large planche de 30 cm, ou plus de 30 cm, par 6 cm d'épaisseur. Alors celle-ci est découpée avec une forme arrondie aux deux bords, et donc de telle manière qu'elle est enfoncée dans la paille, et donc l'enduit va venir recouvrir un bout de la planche. Donc elle a une larme en dessous, donc vous pouvez voir donc cette petite rainure qui fait que la goutte d'eau, ou une goutte, qui permet à la goutte de tomber ici, qui va faire qu'elle ne va pas tomber sur le mur. Alors pour la poser, bien on vient faire un angle, un onglet de 15 degrés à l'intérieur avec une scie circulaire. Et donc il faut un petit peu découper la paille. On fait ça avec une meuleuse et un disque diamant, et on découpe une légère inclinaison, donc elle doit être environ 5 cm et demi plus bas que le tasseau compresseur, de telle manière que la planche vient fleur avec le tasseau horizontal qui compresse la botte de paille précédente. Donc il ne faut pas aller trop bas parce que la planche donc va reposer sur la paille,
avec l'angle, sinon on risque de perdre l'angle. Et donc cette planche va être fixée par des longues vis, des 5 par 80 ou des 6 par 80 ou 6 par 100. Par l'intérieur, donc entre les deux tasseaux, par l'intérieur directement dans la planche. Il est possible en option de mettre un tasseau supplémentaire collé et vissé sous la planche pour la supporter. Mais là, comme elle est vraiment large, et donc on n'a pas beaucoup de largeur, bon, ça suffira. Elle va être aussi calée. Non, elle va tenir juste par ses vis, en fait. Et c'est assez costaud. Alors, la deuxième partie de l'appui, il est posé... Normalement, bon, il a 4,5 cm par 20. Ici, on a pris une planche un petit peu plus large pour avoir un plus long appui pour pouvoir poser des objets à l'intérieur. Il est vissé au niveau des... à ses deux bords par deux longues vis de 80, je pense. Il est vissé sur le tasseau de compression. Et donc ici, le tasseau de compression en fait a été un petit peu rentré pour la mettre plus loin. Il a été déplacé à l'intérieur pour la mettre un peu plus loin, mais bon, peu importe. Et il est fixé sur les deux tasseaux. Et ici, bon, évidemment, c'est sous les montants du pré-cadre, donc on ne le voit pas. Et donc, et ensuite, vous avez le pré-cadre vertical qui fait aussi du 4,5 par 20. Et donc, ce pré-cadre, eh bien, il est fixé par les montants derrière avec des vis de 80 et il est collé également, les vis est collé à la hauteur voulue. Et donc dessus il y a la troisième partie du pré-cadre qui est également vissé collé. Alors le vitrage va venir ben, reposer ici sur l'appui. Il y aura un liège ou un joint de dilatation. Il y aura un joint de dilatation tout autour du cadre et il va venir reposer 2 cm sur le pré-cadre, tout autour. Voilà. Alors voici un exemple de pré-cadre pour un vitrage ouvrant, donc avec un châssis cette fois-ci. Et donc, il est un peu différent comme vous pouvez voir. Donc nous avons toujours une partie appui. Hop. Donc un appui, et l'appui il est rentré un petit peu dans le mur, en fait il vient être posé sur la litho de compression, donc il a une découpe à 15 degrés. La paille est taillée à la meuleuse, légèrement à l'angle de 15 degrés. Et donc, il a en plus, il est vissé en fait par en dessous. Donc en dessous, donc il y a un litho sur toute la longueur qui est vissé et collé, qui est aussi en angle de 15 degrés et qui vient être calé contre le litho de compression qui est dans le mur. Et donc, il est vissé par en dessous. Il est vissé par en dessous tout le long et collé par en dessous. Donc, c'est un peu différent comme système que les vitrages fixes. Et donc, de l'autre côté, on fait sur l'échafaudage. Et de l'autre côté, eh ben, vous avez la même chose. Donc, vous avez là un appui. Lui, il est horizontal. Il est aussi fixé. Il est fixé sur l'autre litho de compression, et il a aussi en dessous une litho qui est vissée et collée, et donc il est fixé non seulement sur les côtés mais en plus par en dessous grâce à la litho qui vient se coller au litho de compression. Et pour le reste, donc vous voyez, vous avez un pré-cadre, et le pré-cadre, du fait que
L'appui vient un peu plus loin et le pricade se trouve au milieu de, voilà, des deux planches, la tablette de l'appui. Eh bien, il va avoir une découpe à 15 degrés en son milieu. Donc, quand on le coupe, il faut prévoir la hauteur, plus un peu plus pour faire une découpe à 15 degrés. Et pareil de l'autre côté. Et donc, ceci va être fixé par l'arrière au montant du mur. Puis dessus, il y a une autre partie du précage qui est fixée, donc vissée collée également par au-dessus. Alors vous voyez ici, ceci est la partie supérieure du pré-cadre. Et donc vous voyez ici, en fait, vous avez une double planche, qui est en fait une planche identique au montant, qui fait 7,5 de haut par 3, qui est posée, qui est fixée verticalement. Et vous en avez une deuxième derrière, et entre les deux, vous avez des montants qui sont vissés. Et donc vous avez cette planche qui est fixée au montant, ici, sur lequel est fixé donc au montant qui se trouve dans le mur, auquel est fixé le pré-cadre, la partie latérale, verticale du pré-cadre. Donc ceci va vraiment soutenir le poids du toit. Une fois qu'on a posé les pré-cadres, pour qu'ils ne se déforment pas, on vient placer une planche légèrement plus large, plus long que la largeur du pré-cadre, qu'on va venir coincer à l'intérieur. Voilà, et donc ce coating métallique à l'intérieur, donc sur la troisième face, donc le vitrage, l'intérieur du deuxième vitrage, du vitrage intérieur, va permettre à la chaleur d'hiver, lorsque le soleil est bas, de pénétrer dans la maison et de ne pas ressortir. Et en été, les débords de toit vont empêcher les rayons de soleil de rentrer dans la maison pour garder la fraîcheur dans le bâtiment. Donc dans ce bâtiment, vous aurez un grand confort. D'autant plus qu'il y a une énorme inertie dans le bâtiment du fait des enduits à la terre qui sont sur tous les murs de la maison, ce qui va permettre de garder en hiver la chaleur du feu ou la chaleur de la journée du soleil longtemps dans le bâtiment, et donc de minimiser le chauffage, voire de ne pas chauffer le bâtiment lorsqu'il est vraiment bien étanche à l'air. Alors voici un plancher, un exemple de plancher. Alors vous voyez ici que les plus longues parties du plancher, les planches ont été dédoublées. C'est 2 fois 3 cm qui ont été collées et vissées ensemble et assemblées de manière décalée. Ici on a mis une planche de 20 plus une planche de 10 parce qu'on a 30 cm d'isolant. Et donc là-dessus, on vient faire des compartiments, on vient fixer toutes des entretoises et on vient fermer les caissons avec de l'OSB. Et donc, on viendra remplir ces caissons avec de la paille ou avec la paille de la balle de riz probablement. C'est plus avantageux puisque c'est imputrescible et comme on est proche du sol, on a intérêt à utiliser en isolant imputrescible. Ensuite, on viendra fermer les caissons. Et donc, il y aura une plinthe qui sera attachée ici au tasseau ici qui est le long qui est fixé au U de la lisse basse. Sur un plancher normal, ceci c'est un plancher renforcé. Sur un plancher normal, il n'y a qu'une seule double planche, une seule double solive, alors qu'ici il y en a une deuxième, et c'est pour donc le plancher a été consolidé
avec une deuxième rangée de pneus là, parce qu'il y a, il va y avoir un mur en terre crue et donc un poids assez important sur cette partie-ci du plancher, ce qui fait qu'on a dédoublé, on a renforcé ce plancher. Là, c'est des bottes de paille qui sont prêtes à être posées dans le mur. Elles ont été plongées dans la barbotine sur quelques centimètres de profondeur, imprégnées dans la terre liquide, de telle manière qu'elles sont rigidifiées et qu'elles peuvent être compressées plus facilement dans l'ossature du mur. Pour faciliter, on vient indiquer en dessous de chaque section les largeurs de bottes qu'on voudrait avoir. Ici, c'est donc du 65 et du 65. Et si on va sur cette autre mur, on voit qu'on a du 55. Et ici, on a une porte. Et puis, on a du 55, on a du 80. Et le 80 est sous une fenêtre, une ouverture de fenêtre. Puis, on a du 50. Et on a des petites bottes de 50. Donc, comment on monte les bottes dans le mur? Mais d'abord, on va poser rangée par rangée, une rangée entière de bottes qu'on va poser verticalement, comme celle-ci. Et donc, on va venir ensuite les basculer, parce qu'on veut qu'elles soient compressées et qu'elles tournent horizontalement. Et donc, pour cela, on utilise un manche de pioche ou de masse, ceci. Et on vient le passer sous l'angle en bas. Et avec une personne de chaque côté, simplement, en exerçant une pression vers le haut. Et en tenant le haut de la botte, le coin de la botte, en poussant légèrement vers le bas, la botte va basculer en position horizontale. Elle va se retrouver horizontale, un petit peu surélevée. Et ensuite, on va venir la descendre, soit à force de bras, soit avec le persuadeur, ou on va venir la descendre jusque contre la botte précédente. Et on va venir faire toute la rangée, la première chose qu'on va faire. Et ensuite, quand on est bien descendu, on va venir voir que les bottes sont bien à niveau, bien d'aplomb par rapport au petit assaut ici à l'intérieur. Donc on va venir avec un niveau, voir si on a l'aplomb et régler la botte avec le persuadeur. Donc on va venir la rentrer ou la sortir de telle manière qu'on soit vraiment ici à l'entrée, à l'intérieur du tasseau de référence des bottes. Une fois que la botte est placée horizontalement, on va venir danser dessus pour vraiment la compresser. Et on va découper des tasseaux, donc de 2,5 par 3,5, sur toute la longueur du mur. Donc ici c'est un exemple de tasseaux. De la manière dont on va les positionner de part et d'autre des montants. Et ces tasseaux, on peut éventuellement, si on a besoin de vraiment de les enfoncer, on peut éventuellement frapper dessus avec une massette pour créer vraiment un petit chemin à l'intérieur de la botte. Et c'est notamment important d'avoir le niveau au niveau des ouvertures où il y aura une tablette qui viendra dessus. Il faudra qu'il soit vraiment à niveau dans les deux directions. Sur les autres parties du mur, c'est pas important tellement qu'il soit à niveau. Par contre, la botte, donc elle est compressée déjà horizontalement en ayant 5 cm de plus que l'interaxe entre les montants. Et maintenant, on va venir la compresser verticalement. Et pour ça, on va donc positionner les tasseaux. Et avant de les fixer, on va venir utiliser le même manche qu'on a utilisé pour mettre la botte à l'horizontale, et on va fixer par une grosse vis à tête plate au montant, au milieu du montant, et ça permettra d'avoir un bras de levier pour venir enfoncer le premier tasseau, le visser ici, le visser au montant, et faire de l'autre côté la même chose, l'enfoncer et le visser au montant. Et donc, au premier montant, au bout de mur, on va simplement marcher sur le tasseau. Et sur tous les autres montants, on va faire cette technique-là. Et voici un exemple d'un mur qui est complètement monté en paille, avant d'être enduit. Donc il est prêt pour être enduit.
Et donc en haut du mur, on le termine par deux montants placés dans la longueur du mur, suivant l'inclinaison du mur. Et donc dessus est fixée une planche qui est la, la sablière en fait, sur laquelle vont reposer les chevrons. Alors, vous voyez que c'est un mur incliné ici. Et donc pour suivre l'inclinaison, on est venu mettre des galettes de... Donc ce n'est pas des bottes entières dans le haut du mur. Ce sont des galettes, bien poser les galettes horizontalement dans le haut du mur de manière à suivre la pente. Sur les autres angles de la maison, sur lesquels il y a seulement une sablière, on peut faire différentes choses. D'abord en bas sur le U, on vient fixer un panneau de liège, 5 cm d'épaisseur dans ce cas-ci, qu'on vient attacher, qu'on vient visser, et ici on utilise des capsules de bouteilles de bière pour le fixer, et on va en mettre tout autour. Ici on a déjà posé l'enduit dessus, on vient poser l'enduit après dessus. Et ici, pour isoler, on vient mettre de la paille qu'on vient faire tenir par deux tasseaux sur toute la longueur. Et ensuite, bon, il faudra venir protéger les tasseaux pour mettre de l'enduit dans l'angle. Alors sur les triangles où il y a la panne faîtière, ici, donc on les a fermés avec cette longue, cette troisième plaque de bois. Alors pour pouvoir faire tenir l'enduit sur l'angle, ici on est venu agrafer une maille en fibre de verre et qu'on a rempli de paille. Bon, il faut que ça aille en fait jusqu'au bout du bois, que ça couvre tout le bois. Et on va pouvoir donc de ce fait là, moi je mettrai quelques vis ou quelques clous en plus pour vraiment tenir le bois, pas que ça pose rien que sur les agrafes. Et puis après, on pourra faire tenir l'enduit dessus. Voilà la recette des enduits. Ici, il y a différents éléments. Donc c'est chaque fois ici un seau. Donc, un seau de sable, un seau de barre, c'est dans l'ordre dans lequel on le met dans la bétonnière. Un seau de sable, un seau de barbotine, un seau de paille, un seau d'herbe fraîche verte, un seau et demi de sable, deux seaux de barbotine, donc de la terre avec de l'eau malaxée, une sorte de crème, un seau de paille, un seau d'herbe, un seau de sciure, un seau de barbotine, et puis on rajoute de l'eau si nécessaire, jusqu'à consistance voulue, consistance d'une pâte, une pâte bien collante, bien humide et collante, pâte de gâteau, voilà. Donc les éléments sont mis de telle manière qu'on peut les rentrer en une fois dans la bétonnière, tout le seau en entier, et que tout va bien se mélanger. Rentrer la paille petit à petit ou l'herbe petit à petit, parce que on alterne des éléments liquides et plus solides, et donc tout se mélange très bien. On laisse un peu tourner la bétonnière pendant une ou deux minutes après avoir introduit tout ça. On rajoute un peu d'eau si nécessaire, et voilà. Et on bascule tout ça dans les gros bacs de palettes, dans les plastiques. Et on laisse fermenter quelques jours. Voilà. Alors comment se réalisent les enduits des murs du flexagone? Alors après que la botte ait été trempée dans un bain de barbotine, donc de terre mélangée à de l'eau, donc elle est assemblée dans le mur, et puis vous pouvez voir ici que vous avez les bottes qui sont devenues dures, donc c'est des bottes qui sont devenues vraiment rigides, solides, avec la barbotine. Et donc la première chose qu'on fait quand on va enduire le mur, c'est qu'on vient recouvrir
le mur d'une couche épaisse de barbotine et on vient vraiment remplir les trous. Et s'il y a des gros trous, on va compléter les gros trous notamment qu'il peut y avoir entre certaines bottes de paille par des fusées de paille ou pas par des, si vous voulez, de la paille qui est mise ensemble et torsadée et enfoncée dans les trous, recouvert de barbotine de telle manière à ce qu'on vient avoir une surface la plus plane possible, recouverte de colle. Donc la barbotine, c'est la colle, donc l'argile qui agit de colle et qui va venir vraiment littéralement sucer sur lequel on va poser l'enduit, qui va venir tenir l'enduit qu'on va venir mettre dessus. Et donc l'enduit est donc une préparation dont je vous ai déjà parlé, qui a fermenté, donc il y a une odeur de fermentation dedans au moment où on le pose, mais cette odeur va complètement disparaître après quelques semaines. Et donc cette fermentation permet d'avoir un enduit extrêmement solide et dur. C'est vraiment cet enduit qui rigidifie et solidifie l'ensemble du mur, c'est-à-dire les performances de résistance du mur après la pose de l'enduit sont beaucoup supérieures à celles avant la pose de l'enduit. Et cet enduit est extrêmement résistant, également spécialement résistant à la pluie et à l'eau, un enduit qui n'a pas été fermenté. Alors, c'est un enduit aussi qui est fait, dans le cas du Flexagone, avec spécialement beaucoup d'argile ou de colle, pour avoir une bonne adhésion avec la paille. Et donc le fait qu'il y a vraiment un excès d'argile va encourager les fissures. Et donc il y a des fissures qui vont apparaître. Et donc cet enduit, ça va permettre à l'enduit de bien sécher. Et donc la saison suivante, donc pendant une saison, de l'été jusqu'à au printemps suivant, l'enduit va sécher. Et donc il va y avoir un enduit de finition qui va être posé, et avant ça on va réparer les fissures et on va donc venir poser juste un enduit de finition qui est décoratif, qui protège un peu l'enduit encore évidemment, mais qui est surtout décoratif. Alors ici vous voyez qu'il y a une partie, il y avait une couche spécialement épaisse. Donc plus on a des bottes de bonne qualité et on les a bien rectifiées, on a bien préparé le mur, plus c'est facile de poser un enduit vraiment plane, d'épaisseur égale. Alors quand les bottes sont de moins bonne qualité, il peut y avoir des différences d'épaisseur et il y a des endroits plus sensibles que d'autres. Ici on évite de poser des trames autour des fenêtres pour des régions de cou et écologiques. C'est pas nécessaire parce que l'enduit est spécialement résistant. Mais quand il y a vraiment beaucoup de matière, à certains endroits, il faut le faire en plusieurs fois. Et ici, au-dessus de la fenêtre, qui est un endroit où l'enduit est arrondi et sensible, eh bien, on va le faire en deux fois. On a créé une accroche, on attend quelques jours que ça sèche, et puis on vient poser la fin de l'enduit de corps. Alors sur le bas du mur, eh bien, comme sur le U, donc le soubassement du mur en bois, comme l'enduit ne tient pas sur le bois, et aussi comme c'est surtout parce que l'enduit ne tient pas, et pour venir mettre une protection à l'eau, on vient poser du liège, des panneaux de liège, et ça permet de poser l'enduit directement dessus. Dans certains cas, on met un enduit à la chaux ou on rajoute de la chaux. Ici, c'est un enduit très résistant. Et donc, on vient poser l'enduit qui repose vraiment sur le tasseau qui tient le panneau en liège, en bas du mur. Donc, c'est vraiment un repère qu'on a ici au niveau de la pose de l'enduit. Alors, vous voyez ici, c'est une partie de mur étroite entre deux ouvertures, donc qui est assez sensible parce qu'il y a des gaines électriques qui passent dedans. Et donc, puisque ici dans ce mur-ci particulièrement, les bottes de paille étaient de très très mauvaise qualité, ce qui fait qu'il y a des épaisseurs d'enduit
au lieu d'avoir 2,5-3 cm, on se retrouve à certains endroits d'avoir 5 voire 10 cm. Et donc, dans ces endroits-là, à certains moments, l'enduit ne tient pas bien. Et donc, on doit venir le poser en plusieurs fois. Et donc ici, voilà, c'est un exemple où il y a de l'enduit qui a dû être enlevé pour ne pas tomber. Et vous voyez qu'il est extrêmement costaud. C'est dur comme du béton. Donc cet enduit fermenté, il devient extrêmement dur et résistant à l'impact de la pluie. Et donc, il résiste particulièrement bien au niveau mécanique du fait de l'herbe qui a fermenté et de la colle qu'il y a à l'intérieur. Alors, en quoi consiste la lisse haute et la sablière, vous voyez, qui vient porter les chevrons, donc l'ossature porteuse du toit. Eh bien, nous avons deux planches de 10 cm, deux planches de 10 cm qui sont fixées verticalement et qui sont vraiment compressées autour des montants, verticalement, de part et d'autre des montants, dans les ballots de paille, à la hauteur désirée du mur, sur laquelle est posée ici une sablière, qui est ici en l'occurrence de 24 cm par 4 cm d'épaisseur, qui va recevoir l'ossature du toit. Alors pour fixer parfaitement la lisse haute, bien on vient donc faire des repères par rapport au point zéro sur les deux angles, sur les deux triangles d'angle, et donc on tend un cordeau à la hauteur du bas de la lisse haute, et on vient retailler les bottes 2-3 cm plus haut, et ensuite enfoncer à l'aide d'une massette et du mammouth, donc du manche de pioche avec lequel on vient compresser toutes les bottes, le même manche, on vient enfoncer à niveau la lisse basse extérieure, d'abord précisément à niveau entre les deux angles du mur. Ensuite on vient poser au même niveau, à l'œil, la partie intérieure que vous avez ici devant du mur. Et ensuite, dessus, simplement visser-coller la sablière. Alors, comment est fait l'ossature du toit du flexagone? Donc, sur le haut du toit, il y a la faîtière. Ici qui fait toute la longueur du bâtiment, on va faire plus d'une quinzaine de mètres. Alors la panne faîtière, c'est ici du lamellé collé, c'est-à-dire c'est des planches de bois qui sont collées et compressées ici sur environ 40 cm par 10 de largeur, et alors évidemment c'est dimensionné selon les poids qu'elle doit supporter et la longueur et la portée, quoi. Alors comment est posée l'ossature? Alors ici, dans cette construction, nous avons des chevrons porteurs de la toiture, donc qui sont d'un côté posés sur une lambourde qui fait 7,5 par 4 et qui est vissée collée à la panne faîtière à niveau, bien entendu, et d'autre part qui sont posées sur les sablières et qui, avec un débord de toit de 60 cm, qui permet de protéger, d'avoir une bonne protection contre la pluie. Alors, entre ces chevrons va venir une isolation en bottes de paille. Donc l'espace, la distance entre chaque chevron, la distance intérieure
et de 48, et donc une botte de paille de 45. Donc des bottes de paille vont être alignées et posées à plat à l'intérieur des chevrons. Alors pour assurer donc que les caissons soient assez grands, eh bien un sous-chevron, donc le chevron faisant que 25 cm de haut par 4, un sous-chevron de 15 cm est vissé-collé. Et comme vous voyez, lui, il reste à l'intérieur du bâtiment. Et uniquement le chevron vient sur la sablière. On aurait pu utiliser directement un chevron de 40 de haut. Mais l'idée ici, c'était un principe écologique qu'on voulait éviter de la coupe de gros arbres, parce que pour avoir un chevron de 40, c'est vraiment des gros arbres qu'il faut couper. Et donc le choix de l'équipe Flexagone était d'assembler des planches de plus petites sections qui sont aussi plus légères à manipuler. Et donc sur le haut, elles sont découpées à l'angle de la pente du toit, qui est ici de 19 cm. Et sur le bas, comme vous pouvez voir en face, eh bien sur le bas, il y a une découpe qui va se faire, une découpe d'aplomb, sur lequel va venir être fixée une planche de rive, donc une planche qui va porter la gouttière, en principe. Et puis, il y a une découpe qui est faite à 16 degrés, je crois, donc complet de 106 degrés. Une découpe pour avoir une jolie forme de finition. On vient mettre sur les chevrons, donc on vient mettre des litos. Avant les litos, on vient fixer, agrafer en fait en géotextile. Et donc on met une lito le long du mur qu'on vient visser contre la sablière, contre un bout de bois. On les visse horizontalement. Et puis on vient fixer tous les litos en arête de poisson. C'est-à-dire on met d'abord les grandes en diagonale d'un coin vers le centre et une deuxième d'un coin vers le centre. Et après on alterne une litho d'un côté, une litho de l'autre, et on vient les mettre à plat et les visser dans les chevrons. Alors à certains endroits, pour qu'il y ait plus de solidité, on les met dans l'autre sens, pour qu'elles reposent au moins sur deux chevrons. On va devoir marcher dessus ensuite quand on va mettre les ballots de paille au-dessus. Donc on va mettre d'abord de la barbotine sur le géotextile pour le rendre un peu par vapeur, frein vapeur en fait, pour éviter qu'il y ait de la condensation et l'humidité sur la paille. Et donc au-dessus de la paille, on va venir mettre un litelage, donc des litos dans une direction et puis dans l'autre direction, de manière d'avoir une aération, une lame d'air. Et puis on va poser des tuiles dessus. Alors voilà, sur les tasseaux et les jouets textiles, là on est venu mettre une couche de barbotine. Et puis les ballots de paille. Et tous les trois ballots, on a compressé. N'était pas 35, donc sur les
sur les parties basses où il y a les poteaux poutres. On est venu mettre des galettes, remplir avec des galettes. Et donc la paille doit être mise à fleur avec, avec l'ossature, avec les chevrons. Et ensuite on va mettre un pare-pluie dessus. Et puis des lattes et des contre-lattes avant de mettre les tuiles. Et voilà, nous avons placé le pare-pluie HPV spécial toiture. Et donc nous avons directement, là on a fixé avec quelques agrafes, mais directement des litos au-dessus. Sur chaque chevron, okay, en fait, d'abord sur deux chevrons, et puis on va les mettre sur chaque chevron. Je vais chevron. La récupérer, hein, et donc, c'est, voilà, c'est fixé avec des vis de 60. Et donc là, il se fait tard, et donc on va terminer demain à la partie du toit. Deux personnes pour barbotiner le géotextile, qui va nous prendre des sauts de barbeau, pinceau, et étaler une petite couche sur le un mur CST. Ce qu'il porte, c'est et le bois, et la paille, et l'enduit. Quand ils ont fait les tests, c'est cet ensemble qui fait que c'est porteur. Un mur en CST sans l'enduit peut porter 4 tonnes au mètre linéaire. Un mur enduit passe à 12 tonnes au mètre linéaire, parce que l'enduit a une petite fonction porteuse, mais surtout elle va rigidifier l'ensemble et faire du mur un seul et même bloc qui lui est porteur. Donc c'est vraiment les trois ingrédients, le bois, la paille et la terre qui participent à la portance du mur. Ce qui me plaît dans la CST et ce qui me parle, c'est qu'il n'y a pas un ingrédient, que ce soit le bois ou la paille, qui est porteur, mais c'est un ensemble de plein de petites choses qui font que, bah, au final, on a un truc qui porte. C'est pas ça ni ça, c'est mélanger l'ensemble pour que ça fasse un tout. Et pour moi, si on met du bois pour que ce soit porteur, il faut trop de bois. Et je trouve ça top de pouvoir économiser là-dessus en alliant la capacité de la paille à porter, la capacité de l'enduit à rigidifier tout ça, et d'avoir trouvé une recette pour réduire les contraintes de chaque ingrédient, mais qu'ensemble ça fasse un tout qui soit efficace. On travaille un chantier participatif donc pour des autoconstructeurs qui font appel à nous pour animer, organiser des chantiers participatifs, des chantiers de 3 semaines pendant lesquels on offre une formation qui est. On construit une maison, certes, et il faut quand même avancer sur le chantier, mais voilà, la formation est très importante et on prend le temps de bien expliquer les choses. Et voilà, et ça permet de faire connaître, ça permet aussi de construire à moindre frais, c'est un avantage certain, et de rendre du coup la construction, et particulièrement cette construction, plus accessible à tous.
autre. Et ça nous fait avancer, nous aussi. De notre côté, il y a toujours des petites idées qui viennent des bénévoles, qui vont nous permettre, nous, de nous améliorer, que ce soit sur la façon de gérer le chantier ou sur la technique. S'il y a des petits détails que même des gens qui ne sont pas du tout du métier, qui ont une façon de penser, une logique différente de la nôtre, et qui vont voir, mais cette vis, là, ça, c'est pas terrible. Si on la met avec un autre angle ou avec une autre pièce de bois un petit peu différente, ça devient beaucoup plus costaud, ça devient beaucoup plus fort. C'est plus simple de mise en place. Juste des petits détails, des fois, c'est juste un angle de vis. Si tu le mets comme ça, c'est beaucoup plus simple à mettre en œuvre. Ah bah oui. Et c'est ce qui me plaît. Et moi, c'est le rapport humain aussi qui fait que j'adore ce métier. Je devrais travailler qu'avec mes collègues sur des chantiers pro. Bon, ça peut avoir ses côtés sympas, mais au bout d'un moment, j'en aurais marre. Moi, ce qui me plaît, voilà, c'est de chaque fois, on rencontre de nouvelles personnes qui nous apportent tout un tas de choses, que ce soit sur la construction ou en échangeant. Chacun a un parcours différent, on apprend tout le temps des choses. Ce qui me plaît. Sur le chantier participatif, donc on demande aux bénévoles de s'engager à faire 8 heures de chantier par jour, voilà, avec des horaires. On commence à 8 heures le matin, voilà, une journée, 8 heures. Si, qu'on va dire. Mais. Ouais, c'est. Et c'est sur 3 semaines. C'est sur 3 semaines pour que tout le monde y trouve son compte. Que ce soit les bénévoles en termes de formation, parce que voilà, en 3 semaines, déjà on a le temps de voir plus de choses, et petit à petit on prend son autonomie. Et c'est là où le porteur de projet s'y retrouve. Les premières semaines, il y a beaucoup de temps de coupure du chantier, où on s'arrête, on donne une explication, une démonstration, et pendant ce temps-là, bah, le chantier ne tourne plus, n'avance plus. Mais voilà, c'est une formation aussi. On donne ses explications. Deuxième semaine, toujours pas mal d'explications, mais déjà un petit peu moins, les gens sont un peu plus autonomes, le chantier commence à prendre un bon rythme. Et la troisième semaine, c'est le moment où bah, tout cet investissement de formation, on peut le récupérer, parce que bah, les gens sont presque totalement autonomes, et c'est le seul moment où sur le chantier, moi je peux aussi mettre la main à la pâte et ne plus expliquer, parce que bah, voilà, tout le monde sait un peu ce qu'il a à faire, c'est se servir des outils, donc il n'y a plus besoin que je sois à côté pour réexpliquer, pour payer la bonne utilisation. Je peux lâcher prise là-dessus et me mettre à poser un peu d'enduit moi aussi, poser des chevrons. Enfin, nous, on travaille vraiment sans objectif. Enfin, sans objectif. On n'a aucune contrainte vis-à-vis du client. Si au bout de 3 semaines, on n'a fait que 2 murs, je serais personnellement très déçu de là où on en est arrivé, mais si on a fait que 2 murs, on a fait que 2 murs. On n'a pas pour objectif d'avoir fermé un hexagone, d'avoir posé toute une charpente. C'est vraiment... moi, personnellement, j'ai des objectifs sur chaque chantier. Je veux en arriver là. Et soit on y arrive, soit on n'y arrive pas. Et parce qu'il y a plein de contraintes qui rentrent en compte. Contraintes météo. Que ce soit sous la pluie ou canicule, bah forcément c'est plus compliqué. Il y a aussi sur un chantier, on ne sait jamais sur qui on va tomber dans les bénévoles. On peut avoir un chantier avec que des gens du métier et bah, qui savent déjà très bien utiliser les outils et qui vont très rapidement être autonomes sur la partie outils et vont pouvoir s'en servir, faire des coupes à la circulaire sans trop d'explications. Et à côté, on a aussi des bénévoles qui n'y connaissent rien. Et à la limite, c'est ce que je préfère, moi. C'est ceux qui n'y connaissent rien à la construction, avec qui on peut partir de zéro. Et c'est là où ça m'épate le plus, parce qu'il y a une évolution tellement énorme. Une personne qui a vissé une fois dans sa vie et au début, ben, je vais devoir lui donner plein d'explications pour mettre une vis droite, tout simplement. Et qui à la fin bah, va être en haut d'un échafaudage, à visser un chevron en autonomie. Mais voilà, mais ça prend au début un peu plus de temps d'apprentissage. Donc voilà, il y a plein de paramètres qui font que bah, on ne peut pas avoir d'objectif réel. Donc sur une maison de
de 50 mètres carrés plus les extensions de toit derrière, en 3 semaines, on peut arriver à avoir isolé la charpente. Avoir monté quelques murs, enlevé quelques murs, et posé la charpente, isolé la charpente. Mis à part sur la finition où il n'y a presque que la pose de l'enduit de finition, sur un chantier construction, pour moi il est vraiment important de voir toutes les étapes. On ne fait pas un chantier de fondation, puis un chantier de structure, puis un chantier de paille. C'est pas intéressant, c'est répétitif de faire tout le temps la même chose. Que ce soit pour moi ou pour les bénévoles, ça ne me plaît pas. Les postes tournent, ce qu'on aime faire, c'est avoir. On fonctionne par binôme sur le chantier et que chaque binôme ait son mur attitré, comme ça on est sûr que tout le monde voit un mur de A à Z, voit toutes les étapes. Mais sinon, après, que ce soit au niveau de la fabrication de l'enduit de corps ou de la pose de l'enduit de corps, des fois il faut du monde qui tourne sur le chantier pour ravitailler les autres. Et bien, tous ces postes-là, on tourne, c'est à tour de rôle. Que ce soit par journée ou par demi-journée, on tourne, on change de poste. Point de vue des bénévoles, une phrase que Tom dit beaucoup et que j'aime beaucoup. Quand on construit une maison, mais avant tout on se construit. On apprend beaucoup sur soi-même en travaillant en équipe, nombreux, mais on en apprend sur nos limites, sur notre façon de travailler. Il y a des gens qui travaillent très bien en équipe, d'autres qui travaillent beaucoup mieux seuls et qui ont du mal justement à travailler en équipe, donc c'est une épreuve aussi pour eux, et on en apprend vraiment beaucoup sur soi. Et ça me plaît énormément, que au-delà de la construction, un chantier puisse apporter d'autres choses, et qui, si des gens sont là en curieux, des bénévoles sont là en curieux, et ne finissent pas par construire leur maison, ne construisent jamais leur maison, mais ils ont quand même appris des choses qui leur resteront par la suite. Et ça, je trouve ça génial. Il y a quelques années, on s'est dit qu'on allait construire notre maison et on savait pas trop comment, on avait pas mal entendu parler de paille. Du coup, on a fait un tour un peu partout en France sur des chantiers participatifs. On a découvert avec Twiza et on a cherché quelle était la méthode qui nous correspondait le plus, aussi bien en termes de méthode constructive que de méthode d'organisation de chantier. Donc on a fait 4 chantiers sur un été. Et en fait, c'est comme ça qu'on a découvert comment est-ce qu'on avait envie de construire. Et la CST, pour nous, ça a été la méthode qui nous correspondait le mieux. Je pense qu'il n'y a pas franchement de la meilleure méthode qui existe, mais pour nous, c'est celle qui nous correspond le mieux parce qu'elle est plus économique. Elle demande moins de bois qu'une autre méthode de construction en paille. On reste avec des enduits terre, ce qui fait que il n'y a pas les côtés irritants d'autres matériaux moins écologiques. Et du coup, c'est là où on se retrouve. C'est ça qu'on avait envie de faire. On a touché à d'autres choses. À chaque fois, on n'était pas pleinement heureux quand on le faisait. Le faire une semaine ou deux chez quelqu'un, ça allait bien, mais le faire chez nous pendant 4 mois, on ne voyait pas du tout. C'est ça qui nous a motivés. Et puis quand on s'est posé la question de quelle manière organiser le chantier, nous on avait vu la CST sur un chantier avec l'équipe Flexagone. Et ça nous a convaincus en fait. Leur discours, c'était que organiser un chantier tout seul, ça se fait, mais c'est beaucoup plus d'énergie à investir. Il faut y aller plus sur la durée. Et que beaucoup de couples ont des difficultés pendant les constructions de leur maison parce qu'en fait, c'est une énergie énorme qui est déployée en un moment. Et que l'équipe Flexagone, leur but, c'est de pouvoir aider les autoconstructeurs pendant cette période qui est un peu intense en prenant une partie du travail sous leur charge. Et voilà, on avait bien accroché avec eux, il y avait une bonne ambiance sur le chantier. Et du coup, quand on a voulu construire cette année, on s'est tourné vers nous. C'est la grande aventure. La grande aventure parce que on met un peu en parenthèse notre vide d'habitude et on met toute notre énergie dans la construction.
il y a plein de monde qui débarque. Le terrain, c'était, il y a quelques vaches il y a quelques mois, et puis en 2 mois, il y a la maison qui est quasiment terminée. Avec plein de monde qui vit sur le terrain, plein d'échanges. Et en fait, on retrouve l'ambiance des chantiers qu'on avait vécu, où on avait échangé le soir, on découvrait plein de choses, on apprenait énormément. Et en fait, là, avec l'avenue de chacun qui apporte ce qu'il est, bah, on découvre plein de choses aussi à nouveau. Et on reprofite de l'ambiance qu'on avait appréciée pendant les chantiers. Voilà. Et puis, c'est impressionnant de voir la force du groupe, de voir que, voilà, moi, si j'avais été tout seul à construire la maison, je serais encore au début. Et puis là, le fait qu'on soit nombreux, bah, on arrive à faire quelque chose de très bien rapidement. Moi, je suis ravi de ce projet et je ne peux qu'encourager ceux qui se posent la question de l'éco-construction ou de l'autoconstruction, d'approfondir et d'aller sur d'autres chantiers pour apprendre. Et c'est en faisant le tour de plein de chantiers qu'on se rend compte de ce qu'on veut vraiment. Bah pour moi, la CST, c'est une des grandes techniques de construction en terre paille. Et elle a beaucoup d'avantages, elle présente aussi quelques inconvénients. Elle a l'avantage d'être simple à mettre en œuvre pour un autoconstructeur. Et d'être un bâtiment, d'arriver à des performances thermiques qui sont quand même remarquables. Après, en inconvénient, parce que c'est bien aussi d'avoir un point de vue un peu critique, on est sur des fondations qui nous décollent du sol, nous décollent de l'inertie du sol. C'est quelque chose qui peut être évidemment repensé à ce niveau-là, si le désir de l'autoconstructeur va dans ce sens pour profiter de l'inertie. Quoi. Moi, c'est le chantier, parmi tous les chantiers que j'ai pu voir, hein, donc plus de 6 chantiers en tout, sur plusieurs années, c'est le chantier le plus organisé que j'ai pratiqué. On a la chance ici, sur 3 semaines, de voir tout, du début à la fin, donc du pneu jusqu'à la charpente. Et ça, c'est exceptionnel. Donc moi, je tire vraiment mon chapeau à l'équipe Flexagone. C'est un réel apprentissage pour celui qui veut apprendre à construire sa maison demain. Donc voilà, j'encourage vraiment de toute façon les chantiers participatifs tels qu'ils soient, puisque c'est une manière autodidacte d'apprendre, sortir des sentiers battus pour se former sans flux monétaire, mais un pur échange quoi, entre la main d'œuvre et puis l'apprentissage. Le Flexagone remplit son rôle à merveille, donc bravo à eux pour ça. Quoi. Je me suis facilement adapté du côté préparation des repas, qui est... Et les compatriotes mangent dans les chantiers, donc ça se passe bien. On veille sur ce qu'ils mangent pour qu'ils ne puissent pas tomber malades, mais donc être en bonne santé pour bien participer au chantier. Je trouve ce chantier participatif est intéressant pour moi. Et, bon, les débuts, je n'étais pas là, je suis venu juste au milieu, mais ce que je vis et ce qui se réalise sur le terrain, et c'est vraiment formidable. Donc, moi, j'encourage tout le monde, tous ceux qui viennent participer volontairement, donc vraiment de continuer cette union, parce que c'est dans l'union où on a la force. C'est un adage belge qui l'a dit, l'union fait la force. Donc en s'unissant, on s'organise pour arriver au bout de ce qu'on a envie de faire. Donc voilà, cette équipe, je les encourage bien, les efforts qu'ils sont en train de fournir pour réaliser cette œuvre qui restera dans leur mémoire. Je leur demande seulement de le faire avec amour, comme si c'était leur propre maison, pour qu'eux aussi, à leur tour, qu'ils puissent attirer l'attention des autres qui viendront aussi travailler pour eux, en se disant que non, c'est notre œuvre, donc on va le faire avec amour. Moi, j'aime bien cette technique, quoi, surtout ce côté où, voilà, où tu n'as pas besoin de... tout au millimètre, partout, même s'il faut pas exagérer non plus, c'est un peu précis, mais moi je la trouve intéressante. Mais c'est sûr que si on fait du neuf, ce sera en CST, quoi, parce que bon, on s'est renseigné que là-dessus, de toute façon. Donc c'est une technique qu'on va commencer à maîtriser. Et c'est sûr que ça va être comme ça, ouais, si on fait du neuf. J'ai eu un projet pas il y a une dizaine d'années, qui a été abandonné, et puis là je viens pour plutôt dans l'optique d'une conversion professionnelle pour découvrir un petit peu
Peut-être un peu essayer de trouver quel secteur du bâtiment pourrait me plaire dans la construction écologique. Là. Donc c'est plus dans cette optique-là que je suis venu pour me tester, pour voir si ça me plaît, si ça pourrait me plaire d'un point de vue professionnel pour moi. D'accord. Et éventuellement pour un projet aussi personnel de maison, mais rien de précis pour l'instant. C'est qu'après, un peu comme tout le monde, j'ai fait des recherches sur les différentes techniques. Et quand tu recherches, tu vois un peu bon, le poteau poutre, ça dure bois. Et puis tu vois cette méthode un peu qui te paraît un peu condensée, tous les avantages des autres techniques, qui paraît économique, qui paraît astucieuse, et puis on te dit qu'en plus tu peux construire ta maison pour pas trop cher. Et puis voilà, moi il y a le côté enduit en terre qui me séduisait le plus. Alors c'est vrai que quand tu lis le livre de Tom, que tu vois les photos des enduits, bah un petit peu, tu te dis waouh, comment on fait ça quoi. Et du coup tu as envie d'essayer. Et puis voilà, et puis là, ces formes de stage de 3 semaines où tu peux tout voir de la méthode en 3 semaines, pour une première approche, on va dire. Je suis pas à fond dedans au sens encore. Je me pense que peut-être si j'en fais un prochain, peut-être je serai plus rigoureux, prendre des notes parce que. C'est agréable et tout ça, c'est vraiment bien organisé. T'as tous les outils tu trouves, les planches tu trouves, tout est aligné quoi. Après c'est dans le chantier. Oh, il me faut un morceau de tasseau. Ouais, bah, il y a le tas de bois là-bas, tu cherches. Cherche un 3x10, tu vas en trouver un. Tu veux dire ton mètre, quoi, pour te mesurer. C'est ça, les outils, c'est pareil, quoi. Bah, va chercher dans la pièce là-bas, t'as tout sur l'établi, rangé n'importe comment. Là, tout est établi, tout est calculé. Pour moi, c'est mon premier chantier de construction. Du coup, j'ai pas vraiment d'éléments de comparaison. C'est une vraie découverte. Juste un chantier, c'est pour moi une découverte. Alors, ça se passe très bien. Ça se passe vraiment mieux même que ce que je pouvais imaginer. Je sais pas trop à quoi m'attendre, mais c'est. Bah, alors, on est tous en tente. Non, mais ça fait très vite. C'est une petite famille en fait. Mais très rapidement, c'est ça qui est fou. C'est que le fait qu'on partage ça, ce chantier ensemble, moi je suis arrivée en plus dans une équipe, un groupe déjà formé parce que je suis arrivée avec une semaine de retard. Et ça me faisait un peu peur aussi, comment moi je vais trouver ma place dans un groupe qui se connaissait déjà depuis une semaine, quoi. Et en fait, en 3 heures, c'est fait, quoi. Parce que je crois que ça fait aussi partie de la dynamique des gens qui viennent ici, c'est la rencontre aussi, donc c'est bien. Donc il y a quand même un esprit colo qui est très sympa à vivre, et qui est très importante pour donner le plaisir d'être sur un chantier tous les jours, parce que ça reste du labeur quand même. On y est 8 heures toute la journée et tout ça, donc il faut y trouver le plaisir. On l'a le premier jour parce qu'on est super excité, on sait pas trop à quoi s'attendre, qu'est-ce que c'est un chantier, waouh, j'ai ma première journée, voilà, mais après il faut que ça dure dans le temps. Et c'est ça qui est super, c'est que on alimente ce plaisir aussi grâce au plaisir de le faire ensemble, parce qu'on a trouvé nos endroits de divertissement, notre complicité de groupe et tout ça. Et du coup, c'est plus génial qu'une maison se construise avec l'affect des uns et des autres. Et voilà. Et je me suis dit qu'avant de me lancer dans l'aventure, peut-être que je sois aussi bénévole sur des chantiers, voir la logistique, comment on accueille des bénévoles, quelle est la vie sur un chantier, au-delà même de l'aspect bâtiment, quoi. Ça m'intéresse aussi de voir comment ça s'organise. Et puis après, oui, sur le chantier, est-ce que c'est possible? Est-ce que tout le monde peut le faire? Est-ce que moi, petite nana pas très musclée, je peux trouver ma place sur un chantier? Et c'est aussi tout ça que je suis venue voir. Et je suis très heureuse parce que c'est un chouette projet. Enfin, en vrai, c'est très humain et du coup... L'union fait la force et c'est les positifs de chacun qui font qu'en fait ça marche toujours. Hein. C'est tout à fait intéressant. Comme d'habitude, il y a toujours des avantages, des inconvénients par à d'autres techniques. Ce qui est intéressant selon moi, c'est l'optimisation des matériaux. Le fait que déjà on pense la forme du bâtiment pour que ça soit optimum en termes de consommation de bois et que ça soit le plus solide possible avec le moins de bois possible. Quoi. Ça, c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le recul sur la technique.
Ça fait une paire d'années qu'il fait ça. Donc, du coup, il a fait évoluer. Là, il a une nouvelle équipe Plexagone. Ils font évoluer encore en permanence. Donc, il y a quand même déjà un bon retour. Vu que c'est un petit peu en dehors des sentiers battus comme méthode constructive, il faut l'avouer. C'est bien qu'il y ait du recul quoi, et qu'il y ait de l'expérience. Et je pense que si tu as vraiment envie de construire et que tu n'es pas certain, tu peux faire un Tour de France des maisons CST et on t'en dira que du bien. Quoi. Donc, ça, c'est positif, je pense. Après, en termes de. J'en pense aussi que ça a l'air assez accessible. Bon, c'était pensé pour ça, mais c'est pas pour autant que ça l'est toujours. Quand c'est pensé pour être accessible. Et c'est relativement simple. Ça a l'air assez économique. Un chantier, c'est un bon investissement. C'est un bon investissement pour l'avenir, je trouve, de venir dans un chantier. Bon, tu rencontres plein de. Des gens, c'est beaucoup progresser, manipuler les outils, voir la technique. C'est intéressant pour gagner en assurance, on va dire, si tu veux vraiment construire ta maison. Quoi. Après, le chantier en lui-même, ouais, ça se déroule bien, c'est une petite base de vie, quoi. C'est confortable, on mange bien, on dort bien aussi, le soir. Et après, il y a une bonne équipe, il y a des rencontres intéressantes à faire et des gens inspirants à rencontrer en venant sur les chantiers. Quoi. Ça compte aussi pour moi, autant que le chantier lui-même, les personnes autour t'apportent énormément. Mmh. Donc c'est un super moyen pour les porteurs de projets. Quand ils sont très contents, ça avance. Et puis nous, on s'enrichit énormément. Alors, j'ai pas beaucoup de recul sur ces techniques, mais malgré tout, je dirais que moi, je la trouve intéressante, travailler des matériaux naturels en fait et d'y mettre vraiment son cœur, j'ai envie de dire, sur chaque mouvement, notamment sur l'enduit. Je trouve que c'est une technique intéressante. Et voilà, après j'aimerais bien explorer d'autres choses pour voir un peu plus large. En fait j'étais venu avec l'idée pas forcément de construire justement une maison, mais juste un petit cabanon, un truc comme ça. Et en fait, finalement, je me dis, un petit hexagone en 25 mètres carrés, en discutant avec différentes personnes, très bien faire bois avec une isolation terre-paille, c'est tout à fait possible. Ça ne demande pas non plus un travail trop énorme, parce que c'est quand même ça aussi, pour le prendre en compte. Quoi. Donc, j'avais pas le projet à la base, mais au fur et à mesure, ça chemine. Ça se construit. Je pense que ça a encore évolué, peut-être. Moi, je retiens l'expérience, en fait, déjà, le fait d'être en équipe avec d'autres personnes qui sont dans un milieu bien différent. Ça enrichit vachement, en fait. Donc, merci à Pierre qui donne ses films. Non, c'est le bordel. Le pain, je t'en parle pas. Est-ce que j'ai répondu à toutes tes questions comme il fallait? Bah, il faut de la manœuvre. Pour de la CST. Langue, une personne qui va seule n'arrive pas à destination, mais à deux, on peut se compléter pour arriver à destination. J'ai répondu. Très bien. Pas comme il fallait, mais je veux dire, est-ce que j'ai pas... T'as répondu ce que t'avais envie de dire, et c'est ce qui compte. Oui, voilà.